Bref, comme tous les matins, Anne-Sophie, infirmière, prépare les médicaments de la journée. Comme tous les matins, les interruptions se multiplient. Louis a vomi ce matin ? Louis, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Élise. Ah, bon, ok, merci. Et d'ailleurs, ça commence par un médecin qui n'a pas bien regardé la planif. Il a qu'à regarder la planif, là. C'est bon. La deuxième interruption vient de sa collègue, qui lui demande qu'est-ce qu'elle a prévu pour ses vacances. Bon, vous partez en vacances cet été ? Anne-Sophie lui répond qu'elle a prévu de partir en vacances au Portugal, parce qu'elle est fatiguée. En même temps, elle prépare machinalement sa sape de Vanco. Et puis, le téléphone sonne. Bon. Tu peux répondre, Eva, s'il te plaît ? La ménagère, bonjour. C'est un appel du laboratoire. Pour dire qu'un des tubes prélevés par Anne-Sophie ce matin est complètement coagulé, il va falloir tout reprélever. C'est le labo qui a appelé, le tube de Tim a coagulé, ils peuvent pas l'exploiter. Ah, merci. Le médecin, sa collègue, le labo, Anne-Sophie se rend compte qu'elle s'est trompée dans sa perf. Merde, je sais plus où j'en suis. Bon, allez, je vais recommencer. Bref, on l'a encore interrompu alors qu'elle préparait une perf.